ce gardien de plomb. Bon, maintenant ça suffit. Passe-moi tes parents. Tu m'entends? Passe-moi tes parents! Tu sais, les grandes personnes se fâchent vite. C'est comme maman avec Pidule quand il est pas sage. Allô? Allô, y a quelqu'un? Je veux parler au docteur et qu'on vienne me chercher pour Charlotte. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Juliette Briard. Bon, allez, passe-moi ton papa. J'ai pas de papa. Bon, ben, passe-moi ta maman. Maman est partie avec Bidoul et son amoureux. Ben, passe-moi quelqu'un. Bon, écoute, le téléphone, c'est pas un jouet. Alors tu vas aller réveiller ta mamou, d'accord? Nanou, pas mamou. Nanou, allez, tu me passes ta nanou. J'ai déjà essayé de la réveiller, mais elle dort très fort. Ah bah tu vois, hein? Ça prouve qu'il est temps de dormir, là. Alors maintenant, tu vas t'allonger, puis tu vas faire un gros dodo, d'accord? Je suis pas fatiguée, j'ai faim et j'ai envie de manger. Bon, écoute, si tu as faim, tu vas réveiller ta nanou dans sa chambre. Hein? Elle est pas dans sa chambre, mais elle est à côté de moi. Mais tu es où, là? Je suis dans la chambre de l'escalier. Bon, écoute, je commence à en avoir plus qu'assez de tes histoires. Alors maintenant, tu vas raccrocher, tu vas t'allonger à côté de ta nounou et puis tu vas dormir. Non! Nounou, fais nounou, par terre. J'ai pas envie de me coucher à côté d'elle. Je veux rentrer à ma maison. Je veux qu'on appelle ma maman. Attends. Calme-toi, Juliette. Tu m'entends? Je veux plus rester là. Je veux ma maman. Juliette. Attends, tu veux bien m'écouter deux secondes? Ta nanou, elle est bien près de toi. Oui. Et tu sais pourquoi elle est là? Non, je jouais dans la chambre d'amis. Nous étions dans les escaliers, puis j'ai entendu un grand bruit. Elle est tombée? C'est ça? Oui, je crois bien. Et ça s'est passé il y a longtemps? Je sais pas. Comment tu as fait pour avoir mon numéro de téléphone? J'ai appuyé sur un bouton. Le téléphone a fait de la musique. Puis tu as répondu. C'est le bouton bis, c'est ça? Je sais pas, c'était un bouton rouge. Tu peux me redire ton nom? Juliette Briard. Attends, Juliette. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rester près du téléphone. Et puis moi, je vais revenir dans deux secondes. Tu ne bouges surtout pas, d'accord? Je reviens tout de suite, tu ne bouges pas.